Les voilà échoués tous deux dans une chambre d'un palace du sud des États-Unis. Une star de cinéma sur le retour et un gigolo en mal de célébrité. 12 oiseaux de jeunesse de Tennessee Williams est à l'affiche de la Comédie de Genève. Une pièce qui marque le retour sur scène d'Yvette Terola. Avant de la retrouver sur notre plateau, voyez ce reportage signé Claude Pellot, Yvan Offert et Stéphanie Jacquet. Les stars à la retraite donnent parfois des cours de théâtre. Deux personnages à la dérive, une actrice vieillissante sur le retour et un gigolo en perdition. Chacun essaye d'utiliser et de manipuler l'autre. Quand un monstre rencontre un autre monstre, l'un des deux doit capituler. Ce ne sera jamais moi. J'ai l'habitude de jouer à ce jeu. 12 oiseaux de jeunesse date de la fin des années 50, mais le texte de Tennessee Williams reste d'actualité. Les protagonistes rêvent de cinéma. Apparaître à l'écran, c'est exister. La Star Academy n'est pas loin. C'est aussi deux personnages qui sont perdus à l'intérieur de leur propre existence, à l'intérieur de ce monde auquel ils rêvent d'être à Hollywood, d'être dans le cinéma. Donc c'est vraiment deux petites figures qui se débattent à l'intérieur d'une ville ou d'un rêve. Un rêve qui vire au cauchemar dans ce sud raciste d'où vient Chance Wayne, l'acteur débutant, largué. Oh, pourquoi c'est glacé? Ça, c'est du whisky. Son retour dans sa ville natale est traduit par un spectaculaire dialogue entre cinéma et théâtre. Je suis fasciné par le cinéma, je suis fasciné par le théâtre, et les deux moyens de communication ont des grosses différences. Donc j'avais envie de les mettre en discussion sur plateau. Entre rêve et réalité, cinéma et théâtre fusionnent. Les comédiens virevoltent dans un écran où ils sont tantôt gigantesques, tantôt minuscules. Merci d'être avec nous, Yvette Terola. Voilà une pièce qui demande un travail, un vrai travail de jonglerie. Vous devez alterner les registres. Oui, c'est ça. On a une partition où on joue sur tous les codes du cinéma et du théâtre. C'est extrêmement ludique. On est un peu comme des enfants qui jouent à jouer. Et oui, c'est un véritable hommage en plus aux comédiens, je trouve. Alors ce sont deux personnages qui ont un besoin immense de reconnaissance. Hein. Il y a ce besoin vraiment de se représenter pour exister. Est-ce que ça vous interpelle, ça, vous, en tant qu'actrice? Ah, bien sûr, parce que ça, le métier de comédienne a un grand côté qui est du côté du paraître, c'est sûr. Même si au théâtre, c'est un peu différent qu'au cinéma. Je suis loin d'être une star hollywoodienne. Ça saurait si j'étais une star de cinéma. Donc, ce n'est pas un rôle vraiment pour moi, mais je l'ai endossé, je l'ai pris. Et j'ai visionné pas mal de films de cette époque-là. Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, Opening Night, tous ces films. Et puis, est-ce que vous me demandiez déjà? Oui, si vous êtes interpellé, oui. Vraiment, oui. Ça demande peut-être une remise en question pour les acteurs qui doivent interpréter ce type de rôle. Oui, bien sûr. En plus, on joue des acteurs qui ne nous rendent pas compte de la situation politique du monde qui les environne. Ils sont pris dans leur petite histoire individuelle, de ce qu'on vit tous les jours. Et il y a le monde qui brûle, et on ne se rend pas compte que le monde brûle, et on continue à s'entre-déchirer. Mais en même temps, on est sur cette scène de la comédie et c'est un hommage à l'acteur. Alors, c'est aussi ça, moi, qui me plaît infiniment. Un hommage au jeu, un hommage au théâtre aussi et au cinéma. Et là, vous jouez une star à bout de souffle. Oui. Et ça ne vous inquiète pas. Vous dites dans une interview, par exemple, plus je vieillis, plus on me confie des rôles intéressants. Oui. De toute façon, déjà à l'âge de 35 ans, m'a signifié que j'étais déjà un peu trop vieille pour séduire. Donc j'ai compris, c'est bon. Alors je jouais déjà les mères, si ce n'est pas les grands-mères. Donc plus je vieillis, en fait, je fais une espèce de retour en arrière. C'est même pas un rôle pour moi, ça. Parce que si on voit Sunset Boulevard, Gloria Sanson, on lui dit « Tu as 50 ans, ma vieille, maintenant rends-toi compte. » Moi, j'ai largement dépassé 50 ans et je peux jouer un rôle comme ça. Donc... formidable. Et dans ce jeu de miroir, il y a un autre thème, hein, c'est aussi celui de la solitude qui ressort de cette pièce. Oui. Là aussi, vous avez dit quelque part, je vis seul, je n'ai pas besoin d'un homme pour m'illuminer, les lumières de scène me comblent.
J'ai dit ça. Vous avez dit eh ça. Eh bien, disons que... on peut vous pouvez rectifier, si je peux rectifier. C'est-à-dire que je vis... C'est vrai, le théâtre a toujours été pour moi ma vie, ma... Je suis... Enfin, je sais pas. J'ai eu de la chance de faire ce métier. Je n'étais pas du tout destinée à ça. Et c'est un privilège énorme. Mais l'amour est intéressant, quand même. Je ne peux pas... Quand même... Votre univers est pavé de chansons, de drames et de comédies. Vous vous dites artiste complète? Oui, je viens de faire un tour de chant sur l'histoire du féminisme qui s'appelle « Histoire d'elle », que je vais reprendre cet automne au théâtre de Vidy. Je continue de chanter, je continue de faire ces deux métiers en parallèle. Et là, je suis contente d'avoir travaillé avec Andréa Novikov, c'est la première fois que je le faisais. Et avec Franck Semelette, qui est un jeune comédien, et d'autres encore. C'est un travail d'équipe, il y a aussi une bande-son très élaborée, il y a des images de cinéma. Enfin, c'est vraiment un beau travail, quoi, collectif, un beau travail de... Merci, oui. Merci beaucoup Yvette Terola. Je vous en prie. 12 oiseaux de jeunesse est à voir à la Comédie de Genève jusqu'au 27 avril. Merci. Oh, merci. Oh.